Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album fait avec la superbe collection Thunder Orchid de Chez FDéco. Donc je vous avoue que ce papier m'a énormément inspirée. J'ai voulu partir sur quelque chose d'original qui change de ce que je fais d'habitude au niveau structure. Donc une structure avec un anneau, voilà simplement. Pour la structure de l'album, donc j'ai utilisé une image que j'ai prise sur Google, voilà, que j'ai agrandie au format souhaité. Donc, il mesure ici 15 cm par 18 cm, voilà. Donc, je m'en suis servie comme gabarit pour faire mon album. Pour réaliser les deux checkers de la couverture, j'ai découpé les deux grands pétales ici, que je m'en suis servi ensuite comme modèle. Voilà. Donc j'ai recouvert ensuite mon carton avec la Shimmer Paint Rose Shabby de chez FDéco. Donc celle-ci. Voilà. Pour habiller l'anneau, donc j'ai utilisé ici un petit ruban, du fil ciré et une pampille de la boutique. Donc, passons à l'intérieur de l'album. Donc, la première page se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais j'ai mis ici du glitter un petit peu partout sur les pages. Le glitter rose shabby de la boutique. Donc je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Voilà. Donc il y a 5 places photo. Voilà. La deuxième page se présente comme ceci. Donc toujours 5 places photo. La page suivante donc elle s'ouvre tout en accordéon avec une petite poche. La page suivante, donc j'ai utilisé une étiquette de la collection pour permettre de bloquer les places photos. Voilà. Donc ça s'ouvre de cette manière. La page suivante. Donc, j'ai pris un chipboard de la collection, donc la petite libellule que j'ai recouvert de shimmer paint argenté. Voilà. Et ici, on a trois places photo comme ceci que je n'ai pas collé entièrement pour pouvoir y glisser encore une petite étiquette de la collection. La page suivante. Donc, j'ai fait un petit cadre pour celle-ci pour pouvoir y glisser une photo comme ça par le dessus. Et ensuite, elle s'ouvre de cette manière. Et pareil, je ne l'ai pas collée entièrement pour pouvoir y glisser encore des choses de ce côté-là. Alors, passons à la page suivante. Donc, j'ai utilisé le colibri
en shimmer de la collection. Je l'ai recouvert avec différentes shimmer paint, voilà, pour lui donner un aspect très coloré. Pour les places photo, donc ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà. La page suivante. Donc, j'ai toujours utilisé une étiquette de la collection pour bloquer les places photos. Et ensuite, ça s'ouvre comme ceci. La page suivante. Donc, j'espère que vous verrez bien, voilà. Donc on a toujours 5 places photo comme ceci, avec en plus une petite poche sur le côté pour pouvoir y glisser des étiquettes. Voilà. La page suivante. Donc toujours une étiquette comme ceci. Et ça s'ouvre tout en accordéon avec encore une petite poche pour pouvoir y glisser des tags ou des photos. Voilà. Alors, la page suivante. Donc, j'ai ici un shipboard de la collection, toujours couvert avec la shimmer paint rose shabby. Et nous avons ici 3 places photo verticales. Voilà. Et pour la dernière page, rien de très original, j'ai voulu finir par une enveloppe. Pour pouvoir y glisser, ça peut être des photos, des tags, voilà. Et pour celle-ci, donc j'ai utilisé les die-cuts de la collection. Parce que jusqu'à présent, c'était uniquement la feuille à découper. Voilà. Et pour le dos de la couverture, donc j'ai fait ça simplement. Donc j'ai pris un joli papier de la collection. Et j'ai ajouté une étiquette, donc pour pouvoir y noter le titre de l'album, la date, etc. Donc j'espère que cet album vous a plu, qu'il vous aura inspiré. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis comme dit, il est très très économique car seulement 5 feuilles 30-30. Donc si jamais il vous reste la moitié d'un bloc et que vous ne savez pas quoi faire, voilà, maintenant vous saurez quoi faire. Bah sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.